folie, parce que moi je viens complètement de la poésie. Bon, j'ai publié un bouquin de poèmes quand j'avais 19 ans qui s'appelle 80% de poésie. J'ai été invité sur France Culture. À l'époque, il n'y avait pas les radios libres, donc les jeunes auteurs d'aujourd'hui étaient invités sur France Culture. C'était quand même un peu plus haut de gamme. Dans les années 90, j'ai publié un recueil de chansons dont j'ai fait énormément de musique. Vous allez pouvoir constater tout à l'heure que je n'ai pas tout à fait perdu la main. Et bon, on avait un groupe avec mon compagnon de l'époque, et bon, j'ai donc publié ce recueil de chansons. Et donc, mais je voulais vraiment écrire un roman, comme j'ai dit tout à l'heure dans le documentaire. Bon, mais que faire? Bon, policier, je sais pas, historique. Puis un jour, bon, j'ai un peu la révélation, un concours de circonstances. Bon, c'est vrai que c'est l'époque où j'ai pu croiser Frank Spengler, qui est le directeur des éditions Blanches. Et bon, il m'a demandé si je relèverais le challenge d'écrire un roman érotique. Et bon, c'est comme ça que ça a démarré. On était en 2005, donc c'est donc assez proche de nous. Donc on en a fait un, on en a fait deux. Et là, le troisième sort aux éditions Tabou. Pour une raison qui est très simple, c'est que c'est un roman qui est plus délibérément orienté SM. Et bon, pourquoi pas changer de maison à cette occasion. You're gonna rise and sing.